Alors, mesdames, messieurs, nous sommes dans les locaux de ACCR. Je vous montre un peu l'afflux du peuple qui est là, l'afflux de la population qui sont venus pour chercher leur délivrance, leur guérison. Vous voyez comment nous sommes débordés actuellement. Vous voyez, maintenant, c'est les gens qui sont venus de Kosovo, de Yougoslavie, de Bosnie, de la Serbie, de Monténégro, de l'Italie, de l'Espagne, de la France, de la Hollande, de l'Allemagne. Et nous avons beaucoup de personnes qui viennent de l'Allemagne, eux de l'Italie, de la Serbie. Voilà. Odvetano na koso, ker ča kontrola. Tudi je su tukli. Ti sufre de tension. Oj, ci doli ne taro pritisak. Dino, vrema exactement, je trouve qu'il y a des informations qu'on n'a pas eu hier. Però na ine informacija su ne erati. La tension que ti sufre. O pritisak su ci doli ne lata. E te de combien. O borgine. Dišote, dišote, tamo, dišote. 220, 250, 250. Donc là, tu peux aller, ça peut t'amener dans le commerce. Ça peut t'amener dans le commerce. Tu peux faire une crise d'AVC. Même elle a dit qu'il peut tout sortir de ton switch. Parce qu'il y a un. Elle avait même peur de rester toute seule à la maison. C'est ça que j'ai entendu. Oui. Les veines, ils ont gonflé et elles pouvaient mourir. Ah ouais, les veines. C'est les poumons, tout ça, mais c'était bloqué. C'était bloqué. Et le rein, il commençait à s'abîmer. Ah oui, c'est ça. Le rein commençait à s'abîmer à cause de ça. En fait, elle est passée à. Elle est passée chez le médecin, elle lui a dit. Quand elle a passé ici, elle a passé après chez son médecin, elle a dit qu'elle est guérie. Elle n'a plus de problèmes de tension. Il n'y a plus de problèmes de tension, plus de problèmes de rein. Elle a dit que c'est un problème avec le break. Ça veut que si moi, au stress, bouge. En fait, il y a beaucoup de stress, il dit. Il ne peut pas rester tout seul à la maison. Il ne peut pas sortir. Il ne peut pas sortir tout seul en fait. Il ne peut pas rester. Et maintenant, depuis qu'on a pris le stress. Quand on a pris le stress, on a pris le stress. D'aller si tu promènes. Un peu, il dit oui, mais un peu oui, un peu non. Parce que c'est la peur aussi. Ici, tu peux nous visiter quand il a raté. C'est la peur de retomber dans ces cauchemars. Tu as raté, 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 tu as raté. Mais il ne faut pas avoir peur. Mais voilà, tu as raté, tu as raté. Parce que la Bible dit. C'est ce que la Bible a pris. Si donc le Fils de Dieu Jésus te libère. Au chavo, au taro, de vos sostagiatos. Tu es réellement libre. Et nous, réellement, il y a ça. O scopo di me. Ce n'est pas ma canto qui t'a libéré. Non è più no, o ma canto sono scopo di già. Jésus t'a libéré. O Jesus sono scopo di già. Jésus n'est pas un nom pour mentir. O Jesus prend un lit, ma nous ne vois autre. Ce n'est pas un aventurier. Non è più no, vois un suo calo pesta. Jésus est Dieu. O Jesus fa no dol. C'est lui qui t'a créé. O tu vas sono scopo di già tutto. C'est lui qui a tout réglé maintenant. O tu vas sasso, non mi stingiate che sono promesso. Tu es entré dans l'usine de Dieu.
Pero tu viens à Canapuno pour débloquer. Il a tout le fait. Il a bien serré le boulon. Et moi, je pense que c'est déjà tout qui est choukard. Alléluia. Oh, Jésus a guéri. Oh, Jésus a guéri. Ça, c'est la preuve. À quoi est-ce que tu as? Pour ceux qui savent lire les choses de la médecine, je vais vous le poster sur YouTube. Vous allez voir les merveilles de Dieu. Un mot d'âme. Et Dieu ne s'est pas arrêté là. Il a redressé le dos de sa fille. La colonne vertébrale. Elle a nous a amené des preuves hier. Ok. Et tu as laissé ça dans la voiture. Regarde. Dieu va faire encore davantage. J'ai vu ton épaule là nécessite l'opération du siècle. Elle a un autre témoignage. Ce matin, elle a dit que sa main droite n'arrivait pas à utiliser. Non. Qu'est-ce qu'il vient faire encore? Je suis avec un truc et je ne peux pas mettre la main droite. Jésus t'a guéri toutes ces parties-là. Oui, ce que nous installons tout ça. Bien désolé de paralyser comme ça. Ben, penaud mangiate que l'on a tous ce qui limite au paralysé. Mais la paralysie est partie. Penaud on va paralyser mon cœur parce que. Tu comprends? Allez résumer. Regarde. Dites-le. Dites-moi. Dites penaud bien. Bravo. Quitte paralysie. Ça va être intéressant à regarder ça. Acclamons le Seigneur. Elle était venue ici parce que leur tante leur avait dit qu'il y a des miracles ici. Sa tante était venue pour son fils et sa tante, quand elle s'est retournée, n'était même pas venue pour la stérilité, mais elle est tombée enceinte. Votre tante, elle est où? Ma tante, elle n'est pas là, elle est sous le vent. Elle avait des problèmes de... 8 ans, elle n'avait pas d'enfant. Et maintenant, elle est tombée enceinte. Dis à elle de venir, je vais prier. Qu'elle revient. Ok. Nous allons prier pour elle aussi. Camorino per la que. Acclamons le Seigneur. Jésus est ici. Oui, ce sont à côté. Acclamons le Seigneur. Applause et gospodines. Elle ne marche pas. Oui, la pyroline. Tu peux venir, viens. C'est ta belle-sœur. Donne le microphone. Tu es venu avec ta famille. Ton casa à la nakate. Viens, mon frère. Où je te fais un mot pas. Toi aussi, tu avais un problème sérieux. Tu ne marchais pas bien aussi. C'était la même chose. Oui, tu marchais. Il n'y avait pas de problème de marcher.
Et maintenant, elle ne lâche pas. Tu es un peu à côté, comme ça on te voit. Maintenant, elle marche. Acclamons le Seigneur. Regardez comment elle marche. Regardez comment elle marche. Acclamons le Seigneur. Seigneur, Gospodine, fais lui grâce. Ella qui et tu as entendu ma prière. Qu'est-ce que tu veux dire au peuple de Dieu qui te réunit? Que tu sois guéri tout le monde. Alléluia. Faut parler fort. Vous avez quel âge? Je n'ai pas gardé Bia depuis hier. Et ce soir qui m'a la tête un peu les yeux et la gueule. Et la nuque. Oui. D'accord. Mais pour résumer, hier, pourquoi est-ce que vous êtes venu hier? Hier, j'ai arrivé pour moi et pour mon mari. Et mon mari, ça va hier, les jambes, ça va tout. Elle est morte. Donc au niveau des jambes, ça va mieux. Oui, ça va. Vous sentez un problème au niveau de la mère? Votre mari a diabète. Oui, et un enfant qui est resté en hôpital. Et ça va pas, il n'y a rien du tout. Mais on regarde, ça va mieux. Ça va mieux depuis que l'évangéliste Mackenzie a pris. Oui, vous avez bien dormi. Oui, j'ai dormi bien. Et ce qui est la question, je vous dis que jusqu'à arriver ici, j'ai gardé que. D'accord. Par internet, tout le temps que j'ai gardé, ça va mieux. Un jour, je n'ai pas gardé. Et tout d'aller garder l'internet, un jour, je vous amasserai bien à la maison. Comme dit madame, elle me suivait déjà sur YouTube, sur internet. Elle avait l'habitude de me regarder, mais elle avait aussi un problème à l'œil. Donc cette année-là, d'accord. Et au fur et à mesure, à force de regarder, à force d'écouter la parole, elle finit par avoir son deuxième œil qui justement a commencé à marcher. Oui, avant vous avez moi les lunettes, j'ai cassé trop tard. Plein de fois, j'ai énervé, j'ai cassé. Après, j'ai pris les lentilles. Tout le temps, tous les mois que je change de lentilles, je sens les autres effets tous les mois. Et depuis, donc madame portait depuis des lentilles, enfin des lunettes qu'elle avait l'habitude de casser, puis ensuite des lentilles, et ensuite vous aurez une amen. Je vais bouger la main. Acclamons le Seigneur. Faisons ensemble.